Qu'est-ce que la construction de routes et la canalisation? En route, nous allons vous donner quelques tuyaux. Les canalisateurs et les canalisatrices installent des canalisations pour distribuer l'eau potable, évacuer les eaux usées et pluviales, transporter le gaz ou installer la fibre optique. Ces professionnels percent des tranchées à l'appel mécanique, installent les conduites, effectuent leur raccordement, puis remettent en état chaussées, trottoirs et caniveaux. Les constructeurs et constructrices de routes participent eux à la construction, à l'entretien et à la réfection des routes. Autoroutes, voies ferrées, pistes d'aérodrome, pistes cyclables ou autres terrains de sport. Ils posent et appliquent divers revêtements appelés parfois enrobés, principalement béton, bitume, asphalte et gravillon. Pendant les travaux, ces professionnels raccordent aussi les réseaux souterrains existants et posent trottoirs, caniveaux, pavés, glissières de sécurité et mobilier urbain. S'ils doivent tous savoir lire un plan, les principales qualités attendues dans ces deux métiers sont l'habileté manuelle, la résistance physique et l'esprit d'équipe. L'autonomie, la mobilité et la disponibilité sont également très appréciées. Les principaux outils utilisés par les canalisateurs sont de plus en plus modernes. Les pelles mécaniques, les lasers, les machines à souder automatisées et les outils de forage téléguidés. La pelle et la pioche sont cependant toujours utilisés. Les constructeurs de routes, eux aussi, utilisent pelle et pioche, mais ils travaillent le plus souvent avec des marteaux-piqueurs, des bétonnières et de gros engins de chantier comme le bulldozer, la niveleuse, la goudronneuse et le finisseur d'asphalte. Dans tous les cas, le port du casque de chantier, de chaussures et de vêtements de sécurité sont obligatoires. Tous ces professionnels travaillent toujours à l'extérieur, presque par tous les temps, sur des chantiers de toute taille, neufs ou en réhabilitation. Ils se déplacent en fonction des chantiers, ils doivent donc être mobiles. Le salaire de début est le SMIC. Dans ces métiers, il y a des débouchés et les jeunes diplômés trouvent facilement du travail. Avec de l'expérience, on peut même devenir chef d'équipe ou de chantier. Pour se former au lycée ou CFA, on peut préparer un diplôme du CAP au BTS ou un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Des qualifications sont également proposées en formation continue. La plupart des métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à vous renseigner. Soyez curieux, d'autres métiers sont à découvrir.